Il est sur un lit médicalisé avec de l'oxygène. Sa mère, qui est très vieille, elle a 84 ans, et son père, 90 ans, sont à côté de lui. Parfois, il se réveille et retombe dans le coma. Il est dans le coma depuis plusieurs jours. Y a-t-il eu des contacts avec les autorités écossaises? Oui, avec les Écossais, hier, à travers Internet. Nous espérons que le consulat nous aide, car c'est quelqu'un de malade. Nous devrions avoir plus de médicaments et d'équipements médicaux. Un médecin a apporté des médicaments hier. Notre maison a été cambriolée, les médicaments ont été volés. Hier seulement, on a récupéré des médicaments.